comme un félin caché dans la nuit. Il est invisible, une ombre furtive. Justice finale, deuxième partie. Péninsule du Kamtchatka, Russie. Ne bougez plus! Allez, allez! Arrêtez! Île de Wire, quartier général de Daggett. Péninsule du Kamtchatka, Russie. Personne ne peut survivre à une telle chute. Il n'y a plus d'intrus. Heureusement que cette combinaison résiste à la chaleur, sinon j'aurais grillé sur place. Quartier général de Daggett, île de Wire. Message d'alerte. Ici la base. Que se passe-t-il? On sait à qui appartenait le sous-marin. Qu'avez-vous trouvé? La marque du fabricant, un symbole. Vous feriez mieux de vous rendre compte par vous-même. On n'a plus d'image du coffre. Vaut mieux que Neumann aille vérifier ça de plus près. Bon, ça y est, j'y suis, tu vois. C'est brouillé, mais je te vois. Ça devait être un court-circuit, c'est tout. J'ai déjà vu ce symbole. Corporation de l'Empire insulaire. Une des sociétés de Daines, alors. Pourquoi enverrait-il quelqu'un fouiner en secret par ici? Il doit chercher à s'emparer de l'un des biens de Daggett. On ferait bien de prévenir le patron. Vous avez raison. Cet équipement a été fabriqué dans une des usines de Daines. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, seuls ces hommes possèdent ce type de matériel. Daines va peut-être essayer de nous doubler. Appelez Leonov, immédiatement! Peu importe où il est, je vous dis de me le passer, tout de suite! Diabolique, tu es un véritable génie. Datcha de Leonov.
J'espère que c'est important. Désolé, monsieur, mais nous avons eu de la visite au bunker. Ce serait un des sbires de Dane. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un appel vidéo urgent de la part de Monsieur Daggett. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me le montrer? C'est pas vrai, je suis entouré par des imbéciles. Oh, Corren, entre donc. Corren, je te présente Monsieur Skid. Il a des références exceptionnelles. C'est l'un des meilleurs experts en surveillance au monde. Et inspecteur, tout ça c'est pour Dane? Et pour Diabolique. Il existe un lien entre ces deux-là, et je compte bien trouver lequel. Montrez-lui ce que vous avez trouvé. Pas de problème. J'ai suivi le parcours d'un objet envoyé depuis le musée de Dane à Anvers, jusqu'à sa résidence sur son île privée. Il l'a installé sur son bureau. Vous pensez à un faux? Non, monsieur, mais à un coffre. Il doit vouloir cacher les preuves de ses actes illicites. Ce coffre est la clé de toute l'énigme, et je suis prêt à risquer ma carrière là-dessus. Grâce à l'aide précieuse de Monsieur Skid, Dane et Diabolique ne tarderont pas à partager la même cellule d'une prison de haute sécurité. Lac Tanganyika, Afrique. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Rana s'est surpassée cette fois-ci. J'ai l'impression d'être dans un film de Tarzan. Ne te fie pas trop au paysage. Il est truffé d'alarmes sophistiquées en parfait état de marche. On ferait mieux de mettre nos déguisements. Laisse-moi deviner. Une tenue d'Amazon pour moi, et toi, pour toi, un joli pagne sexy. Amusant, très amusant. Quand tu veux. Dans ce cas, allons-y. Ça vient du quartier ouest. Une équipe est en route. Avec nous, ça en fera deux. Suivez-moi. Le parfum de son maître devrait le calmer. Et une petite goutte d'Eric. Une. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de se moquer de nous. Allez vérifier le conduit principal d'alarme. Vite! Vous, les mains en l'air. Attention avec vos armes. Dane ne serait pas content s'il m'arrivait quelque chose. On ne travaille pas pour Dane. Ça va bientôt changer. Décidément, je suis trop franc pour jouer à cache-cache. Wolf, qu'est-ce que tu fais ici? Je récupère ce qui appartient à Dane. Circule. Trois de moins, plus que deux. Il va falloir se les partager. Tu as peut-être une préférence. Tu me connais, Diabolique. L'air de la montagne me fait un bien fou. Et moi, j'affectionne tout particulièrement les cascades. Grand Canyon, Arizona. Parc national de Canaima, Venezuela.